Patriots only. Bienvenue dans Station Service, votre émission pour faire le plein d'actualités moto. J'espère que vous êtes en forme. Nous, en tout cas, on est ravis de vous retrouver pour cette quatrième émission. Déjà, si on commençait par un petit tour de table, comment vous allez les gars ? Vous revenez d'où, Christophe d'ailleurs ? Ah, alors moi, je reviens de Toscane. J'ai essayé un pneu Dunlop Gros Trail et j'ai presque pas mis de moto par terre, donc je suis hyper content. On sait que vous arrêtez jamais pour faire les essais. Mehdi, toi, tu reviens d'où ? Pas très loin, sud de la France, Espigoulier en Monster SP, une boucherie. Alexis, je crois que c'est un peu moins sexy, mais t'étais où ce week-end ? Moi, je reviens du Mans, et effectivement, c'était le Mans au mois de mars, quoi. Ah mais ouais, un petit peu plus vieux, quoi. Bon, allez, au sommaire de cette émission, tout simplement, on va commencer par les news, comme d'habitude, avec un sujet qui fait débat en ce moment, les moteurs thermiques. On parlera ensuite sport avec toi, Alexis, tu nous feras un petit récap de tout ce qui s'est passé récemment, et tu nous donneras aussi quelques tips pour débuter en compétition. Et le gros dossier, attention, c'est un très gros dossier, je sais que ça va vous plaire. Ce sera un dossier spécial permis à deux. On vous donnera toutes les infos, par quoi commencer, comment passer le permis et aussi qu'est-ce que vous devez faire côté assurance. Je pense que ça sera hyper intéressant. Allez, c'est parti, on commence par les actus. Et on commence par l'actu du mois qui ne cesse de rebondir. Tout simplement, Mehdi, ça y est, alors fin des moteurs thermiques ? Non, en fait, tu sais, ils ont annoncé la fin des moteurs thermiques pour 2035. Ça devait être voté, entériné par tous les pays au niveau de l'Europe. On a déjà l'Italie, la Pologne et la Roumanie qui avaient dit qu'ils ne signeraient pas ce joli papier. Mais tout, on était tous partis là-dedans, ouais. Sauf que l'Allemagne, au début du mois, a dit qu'elle ne signerait pas cet accord, qu'elle voulait des garanties par rapport à d'autres formes d'énergie, finalement, parce que l'Allemagne ne croit pas au tout électrique. Et ils ont réussi à faire passer, les Allemands, le fait que, justement, maintenant, dans cette nouvelle loi, on va devoir intégrer les nouveaux carburants, les biocarburants, ah. Pour arriver à décarboner, justement, les moteurs thermiques. Donc, on pourrait conserver ces moteurs thermiques jusqu'en au-delà de 2035. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Autre rebondissement, on est sur la fin du mois de mars. C'est passé au niveau du Conseil européen, ça a été validé, sauf que les Allemands ont également fait passer quelque chose par rapport au nucléaire. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on continue dans cette directive européenne d'arrêter les centrales. Ce qui pose un vrai problème, puisque pour faire des énergies fossiles aussi, du biocarburant, on a besoin d'électricité également, électricité qui pourrait être fournie bien par sûr. Le nucléaire. Sachant que le parc des véhicules électriques en 2035 sera plus gros que ce qu'on a aujourd'hui. Quoi. Bon, donc finalement, pour le moment, c'est encore un peu flou quand même. Finalement, c'est encore un petit peu flou, c'est repoussé. Il y a une clause de revoyure qui aura lieu en 2026, où justement, par rapport à l'état de la production, on va pouvoir à nouveau statuer et revoter. Mais donc finalement, rien n'est entériné. On a peut-être décidé un petit peu trop vite de mettre fin aux moteurs thermiques pour les voitures, hein, parce que les deux roues étaient encore exclues de cette règle-là. Mais en tout cas, on commence à se questionner. Les biocarburants, en tout cas, c'est une belle promesse, parce que Marc Marquez, par exemple, a roulé avec sa RCV avec un carburant 100% biocarburant, et les performances étaient identiques au carburant classique. Ouais. Bah, on sait qu'en règle générale, ils essayent de développer un peu cette technique du biocarburant sur la course pour ensuite l'adapter aux véhicules de série, mais c'est hyper intéressant. Bon, on passe maintenant au chiffre du mois, et c'est toi, Christophe, et je pense que ce chiffre-là va pas faire plaisir à tout le monde. Alors non, c'est un chiffre qui va peut-être pas faire plaisir. Cela dit, au fil des émissions, j'annonce plutôt souvent des mauvaises nouvelles. Hein, donc c'est plutôt oui, bon c'est style. Vrai, en fait. Donc là, ça concerne la prime d'assurance mensuelle, hein, enfin annuelle plutôt. Donc elle va être en augmentation de 6,9% selon un baromètre de Assureland, comparateur d'assurance en ligne. Et donc la prime d'assurance va augmenter à ce niveau, et ça correspond plus ou moins à l'inflation française, hein, de toute façon, donc il n'y a pas de mystère là-dessus. Ça va correspondre à peu près à 623 euros en moyenne en France, au lieu de 583 euros en 2000, pour le dernier recensement en 2021. Donc on est à une augmentation, hein, d'à peu près 6,9%. Donc ça, c'est pour, attention, c'est un chiffre moyen pour toute la France.
et c'est très disparate entre la région, la moto choisie, le sexe, l'âge, etc. Et pourquoi ça augmente ? Alors ça augmente, y a eu plusieurs raisons. Il y a notamment eu un truc important, c'est les intempéries et les dégâts liés à la météo. Il y a eu plus d'accidents en fait. Ouais, il y a eu toutes les motos, les scooters qui sont restés dehors et qui ont été dégradés par les aléas météo. Ouais. Il y a eu aussi tous les véhicules qui ont été dégradés suite aux manifs. Voilà, ah, et d'accord. Tout ça. Donc ça quand même, c'est... Mais c'est très récent. Voilà. Et puis, il y a aussi le fait que, là c'est un autre chiffre, on en reparlera peut-être une prochaine fois, c'est que le vol est en forte augmentation. Donc comme le vol est en forte augmentation, tout spécialement dans les régions où on fait beaucoup de motos, PACA, Rhône-Alpes et région parisienne, du coup ça impacte tous les tarifs d'assurance partout. Allez, on va maintenant passer à la rubrique sport par Alexis Delis. Bon Alexis, si tu nous faisais un petit point news côté course moto. Ouais, on va parler du championnat de France Superbike. C'était l'ouverture au Mans, j'y étais. Alors évidemment, le Mans au mois de mars, des conditions assez précaires, mais des grilles archi pleines. On avait beaucoup de catégories, une nouvelle catégorie cette année, Moto 4, Moto 5, pour les tout jeunes. Donc la FFM développe à mort le futur de la vitesse pour remplacer les Fabio et Johan en MotoGP. C'est une super nouvelle. Voilà. Et bien on va se concentrer sur le Superbike, un plateau super relevé. On a deux pilotes de renom qui reviennent sur ce championnat, c'est Mike Di Meglio et Jérémy Guarnoni. Et deux pilotes qui n'ont pas tardé à performer, puisque Jérémy Guarnoni sur sa BMW a fait la pole le samedi avec un nouveau record de la piste au Mans. Et Mike Di Meglio, lui, il a carrément pris le doublé. Il a gagné les deux manches. Il a bien géré son week-end. Alors Jérémy a eu un petit peu plus de mal avec les pneus, on l'a dit, c'était souvent séchant voire humide. Il est en Dunlop Guarnoni. Et puis pour parler de Kenny Forêt, le champion sortant, là aussi un week-end un peu compliqué, manque de chance. Première manche, il part de la pit lane à cause d'un problème électronique, et en deuxième manche il joue la victoire avec Di Meglio jusque deux virages de la fin où il perd l'avant. Di Meglio qui fait le carton plein, super entame pour lui. Son coéquipier Alan Teicher, qui est aussi son coéquipier en endurance, qui monte aussi sur les deux podiums du week-end. Et puis les deux podiums du week-end sont avec les trois mêmes pilotes, puisque Corentin Perolari fera le championnat cette saison sur la Yamaha du Team Moto 1. Et là aussi, belle performance de Corentin. Donc revanche à la fin du mois à Nogaro pour Kenny et Jérémy, qui ont manqué un petit peu de chance de réussite sur ce week-end. Tu voulais nous parler d'un deuxième championnat ? L'endurance, on aime l'endurance à station-service. Et le week-end prochain, c'est les 24 heures du Mans. On a eu des pré-tests au Mans et un nouveau record de la piste, là encore, par le Yart. Alors c'était Karel Anika qui détenait ce record depuis sa pole l'an passé. Mais il a fait encore mieux. Alors il est en 1:34,759. À votre avis, on est à combien des MotoGP avec ce chrono-là ? 3 secondes 5. 3 secondes 3. Non, c'est moins que ça. Même pas 3 secondes. On est à tout juste 3 secondes du record de la piste sur une MotoGP. 1 seconde 5 du meilleur tour en course de Fabio Quartararo. Ah ouais, avec une moto d'endurance, ça commence à causer. Ah ouais. D'accord. La BMW officielle aussi, deuxième chrono, très en forme. Avec les Dunlop et la Ducati URC avec les Pirelli. Donc on a trois manufacturiers aux trois premières places, ça c'est sympa. Dans le top 3, on retrouvera évidemment la Honda, championne du monde, avec encore d'ailleurs Mike Di Meglio, pour défendre son titre. La Suzuki, on a le retour d'Étienne Masson sur la Suzuki du CERT, ça va être intéressant à regarder. Et puis des essais qui ont été un peu plus compliqués pour le nouveau team KM99 avec Lucas Mayas, on en parlait dans la dernière émission. Et aussi pour la Kawasaki officielle, nouvelle équipe avec notamment Randy Depunier et Christophe Ponson, et un team qui a été repris par Trickstar. Gilles Stafleur a pris sa retraite. Trickstar qui reprend les choses en main. Il y a aussi là encore des petits soucis, notamment au niveau des pneus. Mais on espère que ça donne envie d'être au Mans, en tout cas, franchement. Moi, ça me donne grave envie d'aller voir. Vous y serez, vous, les gars ? Peut-être. Moi, j'y serais. Je n'exclus ça, pas. Sûr. Bah, s'il fait 35-37 degrés, j'irai. Donc, il n'ira pas. Bon, là, on parle de compétition, très haute compétition. Mais si on a envie de débuter en compétition moto et qu'on vient de passer son permis moto, on peut se diriger vers quoi, Alexis ? Il y a plein de formules, mais effectivement, pour débuter, moi, j'en ai retenu deux en particulier. La Yamaha R7 Cup. Alors il y a la Yamaha R7, on connaît, vous l'avez tous essayé dans ce studio, super petite sportive sur base de MT07, 73 chevaux, donc pour débuter c'est très bien, mais un châssis sain, parfait pour découvrir la piste. Donc cette coupe, une quarantaine de pilotes, des essais, des qualifs, deux courses de 20 minutes par week-end, tout ça disputé dans le cadre de l'Ultimate Cup.
Donc la première manche a eu lieu le week-end dernier au Castellet. Et la prochaine, ça sera le 7 mai à Navarra. On ira aussi au Vigan, à Mirecourt et à Manicou. Ouais, c'est pas mal. Après, il y a une deuxième qui a attiré un peu plus mon attention parce que j'aime beaucoup ces motos. Je vais pas trop en dévoiler, mais on va en reparler dans l'émission. Effectivement, c'est la Royal Enfield Continental Cup, donc avec cette Continental GT 650 qu'on a sur le plateau. Encore plus économique que la première Cup, hein, puisque cette moto, pour la transformer en version course, entre guillemets, ça coûte 2390 €. Et avec ça, vous pouvez aller partir sur un calendrier. On a 5 dates, Alès, le Castellet, Carole, l'anneau du Rhin et enfin encore Alès. Une coupe très sympa. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et puis, on en profite pour rendre aussi un petit hommage à Fred Fourgeot, qui nous a récemment quittés et qui a créé cette coupe Continental Cup, le patron de la CIMA. Donc, ciao Fred. Merci beaucoup Alexis pour cette petite rubrique sport. Je vous propose désormais qu'on passe au coup de jus, coup de pomme avec Mehdi. Bon Mehdi, quoi de neuf dans le domaine des véhicules électriques ? Alors, déjà, oui, excitant. C'est plus le coup de jus d'orange de Mylène d'Orange, c'est le coup de jus de Mehdi de pomme. Coup de jus de pomme, voilà, c'était pour la blague. La petite blague sympa. La petite blague honnête. Donc, moi, j'ai voulu vous parler un petit peu de l'actualité électrique. Tout d'abord, en se concentrant sur notre thématique principale qui est la moto A2 pour les newcomers. Eh ben, figurez-vous qu'en électrique, en termes de moto, ben, il n'y a pas grand-chose. En fait, on va avoir une Xperia chez Energica qui va arriver cette année. Elle est prévue pour cette année. Et pour l'instant, chez Zero, ils ont 3 modèles qu'on peut faire passer en A2. Oui. Mais pour être franc avec vous, rapport aux homologations, on est sur des bécanes de 21 chevaux. En puissance nominale, mais qui en crête dépasse largement tout ça. T'avais une question ? Ouais, parce que concrètement, tu peux pas les brider, les motos électriques. Ou tu peux les brider. Comment ça fonctionne ? Bah, c'est certainement des softs, du travail sur des cartos, c'est de l'électronique, tout ça. J'ai peut-être même l'impression que c'est un peu plus facile. Je sais pas exactement comment c'est fait. Comment ça fonctionne ? Mais j'ai peut-être même l'impression que c'est un petit peu plus facile. Là, on voit justement la Zero, mais ça, c'est un projet qui va bientôt sortir. Eux, leurs 3 motos en ce moment dans la gamme Zero Motorcycle, c'est la DSR, les FX et FXE. Mmh. Et alors, c'est assez sympa parce que c'est des bécanes ultra performantes, vous le savez très bien les garçons, rapport puissance nominale, puissance en crête, on arrive à des trucs incroyables. Tous ceux qui ont le permis B et qui pilotent des 15 chevaux maxi le savent très très bien, on a vraiment de quoi gratter un petit peu tout ce qui se passe. Pour exemple, une DSR, le 0 à 100, c'est 3 secondes. Ouais. C'est quand même pas mal, quoi. Mmh. C'est qu'on est presque sur des grosses cylindrées. Donc bref, les constructeurs en termes d'électrique travaillent beaucoup justement pour fournir des véhicules à cette gamme qui est un petit peu esselée aujourd'hui. On a beaucoup d'équivalents 125, on a beaucoup de grosses motos. Par contre, sur ce prisme du A2, eh ben, il n'y en a pas pléthore. Peut-être que ça va changer. On va voir avec la moto que BMW est en train de mettre au point. On a vu ça apparaître sur les écrans cette semaine. Voilà. Ah oui, alors, c'est un magnifique schéma fait par mon enfant de 9 ans. Je crois. Voilà, c'est ça. Non, mais en fin de compte, tu sais, quand ils déposent des brevets, ils sont obligés de montrer déjà des schémas. Et là, c'est intéressant que BM, qui a cette technologie sur le scooter électrique, qui cartonne avec le CE04, qu'ils arrivent à transposer ceci dans une moto qui risque de s'appeler DC04. DC, ouais. Alors, ouais, alors que les deux lettres. Hein. Que les deux lettres, ouais. Non, parce que sinon, c'est moyen pour une moto de s'appeler DC. Arrête de faire ton chat noir. C'est pas terrible. Et donc, voilà, on est bon, pour l'instant, on est au stade du prototype chez BM. Mais on attend beaucoup par rapport à cette DC04 qu'elle puisse justement s'installer sur le segment permis B, comme sur le segment A2, et même plus si affinité. Voilà, c'était pour ma petite rubrique. Ouais, et juste vous dire en fin de compte, pourquoi on vous montre ces images du scooter CE04 ? Parce qu'aujourd'hui, finalement, la proposition A2 en termes d'électrique, elle est vraiment concentrée sur le segment scooter. Et lui, il cartonne en ce moment. Et je pense qu'il va faire des émules. Je pense également à un scooter qu'on a vu à Milan, les copains et les copines. C'était chez Orwin, c'est le Segmenti. Ouais. Voilà, c'est celui-ci. Déjà qui est un peu bluffant niveau design. Ouais, et ça aussi, ce sera un modèle A2. Voilà, clairement lancé pour concurrencer le BMW CE04. Voilà. Mais on attend des motos. On attend des motos en A2. On attend. Ouais, on attend. J'espère qu'on pourra refaire un point d'ailleurs dans les mois qui viennent sur les motos A2. L'année prochaine, je pense. Ou l'année prochaine ? Ouais, l'année prochaine. Bon, en attendant, si vous voulez un véhicule électrique en A2, vous
vous l'avez compris, vous dirigerez peut-être plus vers des scooters. Merci Mehdi, en tout cas, c'est toujours hyper intéressant. Vous l'avez compris, l'émission tourne autour du permis A2. Donc évidemment, on a envie de vous donner les clés en main pour si vous passez le permis. Et justement, quand on passe le permis, on pense à quoi ? On pense à équipement. Je vous propose maintenant qu'on passe à cette petite rubrique sur l'équipement. Bon Mehdi, qu'est-ce que tu nous as ramené côté équipement cette fois-ci ? Alors vous allez voir, c'est intéressant. Jeune permis, petit budget, et je vous ai trouvé un ensemble homologué. Ah ouais ? Jean renforcé avec de l'aramide, blouson en cuir, certifié 2A, le jean, bon c'est un AA, le tout pour 120 balles. 120 balles ? 120 balles, on est chez XL Moto. C'est parfait ça quand tu commences à passer le permis, que tu dois tout acheter parce que t'as rien du tout et qu'on te dit... Ah mais t'as du 9 pour 120 balles. Je fais mon camelot, hein, vous êtes sur le marché. Alors ma bonne dame, aujourd'hui je vous propose ce blouson course qui s'appelle le Beamer, si je dis pas de bêtises, 59,99. Ah oui. Là, je me suis pas trompé, regarde. Alors, c'est un cuir qui est pas extrêmement... On va être honnête. Oui, c'est un cuir qui est pas extrêmement... Non, c'est du cuir de buffle. C'est du cuir de buffle. C'est pas hyper épais. Mais voilà, cet élément a la certification double A. C'est marqué ici. On peut pas le montrer à la caméra, mais vous le verrez peut-être en détail. On a la dorsale qui est fournie d'origine. Ah, d'origine. Bon, ouais, la dorsale, elle peut également faire tapis de souris, je pense, parce qu'elle n'est pas d'une épaisseur exceptionnelle. Ouais. Ah, bon, tu vois la dorsale ? Ouais, c'est pas du tout la dorsale que t'achètes un peu. Moi, je préconise, même si on est sur du niveau double A, fatalement, il va falloir se sortir une vraie dorsale pour être protégé. En revanche, au niveau des protecs, c'est pas mal aussi. Ça ressemble à peu près à ça. Voilà, ce sont les mêmes qu'on va retrouver dans le pantalon qui est renforcé en aramide. Le pantalon, comme le blouson, 59,99. Je trouve que c'est assez incroyable, finalement. Et alors, j'ai donné les caractéristiques du blouson. Pour le pantalon, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir en plus ? Renforcé en fibre d'aramide extrêmement résistante sur les genoux et sur le fondement. En fait, c'est là où tu vas glisser et voilà. Donc, bien protégé à ce niveau-là. On a parlé de tout ça. Doublure polyester, voilà. C'est pas mal, franchement, pour un premier coton. Équipement. Ouais, ça répond à la norme 16-21. Pour un premier équipement, qu'on puisse avoir quand même jean et pantalon à 120 balles. Et puis, un truc qui est important, c'est que ça, tu peux le mettre tous les jours. Tu vas travailler, tu peux tout mettre fait. Ça. Parce qu'il y a souvent des équipements que tu es obligé un peu de changer pour aller au travail, en mode t'arrives avec tout ton truc. Là, quand même, c'est un pantalon qui est pas dans la vie tous les jours et puis un blouson en cuir. Ouais, typiquement, tu vois, moi, je l'ai essayé sur la Royal Enfield Super Meter 650. On était dans le thème de la branchitude, de la coulitude, et voilà. Oui, alors, l'initiative, elle est plutôt bonne. C'est un prix d'appel, hein. Donc on achète un blouson à prix d'appel, on achète ce qu'on veut. Il y a quand même beaucoup de stretch, donc ça, c'est bien, ça va te rendre un blouson souple. Il est fait au Pakistan, mais de toute façon, les blousons haut de gamme, faits par les grands spécialistes de l'équipement européen, ils sont aussi faits au Pakistan. Donc, et tu parles du stretch, moi, si je peux me permettre, quand tu commences à rouler et que tu as un gros cuir et que tu es en train de prendre tes cours et que tu as le truc hyper épais, tu es hyper mal à l'aise. Donc là, au final, c'est plutôt bien. Oui, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Et puis, t'es à l'aise, quoi. Quand on n'a pas trop d'argent, le pantalon, tu te sens bien en sécurité, ça, tu te sens quand même que c'est un peu light. C'est vraiment l'été. Après, le feeling du cuir, il est quand même pas incroyable. T'aimes pas le buff ? T'as un problème c'est avec très le fin. Buff, c'est ça ? C'est très fin, de toute façon. Ouais, moi, j'ajouterais quand même une dorsale. Mais bon, on achète un blouson de cuir à 59 euros. Bah oui, c'est voilà, ça. 59 euros. Tu peux en même, changer sur presque... le, même sur le Bon Coin, des occasions, c'est beaucoup plus cher. Ouais, parce que les marques italiennes ou les marques bien installées, on dépasse les 400 balles assez facilement. Quoi. Par contre, s'équiper totalement de la tête aux pieds pour 500 euros, on a essayé, on a simulé sur Motostation, c'est faisable. Et même pour 400 euros, tu peux tout équiper, des baskets moto jusqu'au casque, c'est possible. Ouais, là, on voulait rester sur un petit budget quand tu commences à te mettre peut-être au permis moto. Je termine juste, c'était XL Moto. Vous retrouvez l'essai complet, bien évidemment, sur la chaîne Motor Live ultérieurement. Merci Mehdi pour cette sélection équipement à 100 euros. Je vous propose désormais qu'on passe enfin à notre gros dossier spécial permis à deux. On sait que le permis moto, ça convainc de plus en plus de personnes, Christophe. Mais moi, j'ai envie de savoir, j'aime bien parler chiffres, est-ce qu'il y a encore beaucoup de nouveaux permis cette année ? Alors, on sort d'une période un peu bizarre avec le Covid. Hein. Voilà. Donc, en 2019, 175 812 permis, personnes inscrites au permis moto. 2020, il y a eu le Covid.
avec nos confinements. Ça a arrêté évidemment tous les permis. On est descendu à 132 149 en France. Donc là, il y a un vrai fléchissement. On va le voir d'ailleurs sur le petit graphique qui s'affiche. Et 2021, on est revenu à 160 221 inscrits au permis. Et on n'a pas les chiffres encore consolidés de 2022, mais ils ne seraient pas très bons. Okay. Donc grosso modo, là, ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Le nombre d'inscrits au permis moto est légèrement en baisse, hormis pour le nombre d'inscrites, puisque les femmes sont en progression. C'est un chiffre qui allait me plaire, du coup, c'est pour ça que tu t'es lancé dessus. Les femmes représentent, selon les dernières estimations, mais sur 2021, environ 16% des inscrits. C'est bien. Ouais, c'est bien, et c'est en croissance. C'est en croissance. Il y a un autre chiffre qui est en croissance, il me semble, un chiffre qui va me faire plaisir. Alors, oui, tout à ton honneur, ma chère Mylène, puisque en fait, c'est le nombre de femmes inscrites au permis de conduire. Donc, on atteint 16%. Donc de futures motardes sur les chiffres de 2021. Ouais, Et c'est en croissance. Et donc, de toute façon, il y a de plus en plus de femmes qui veulent passer le permis moto. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle, même si les chiffres d'inscrits au permis moto sont en légère baisse. Donc ça veut dire qu'il faut encore qu'on travaille et qu'on donne encore envie d'en faire. Et oui, on va le retrouver, l'envie. Bon, je ne sais pas vous, mais moi, avec Victor, j'avais envie d'aller à la rencontre des usagers, des gens qui achètent des motos. Du coup, on s'est rendu avenue de la Grande Armée pour un petit micro-trottoir. Je vous propose qu'on regarde ça tout de suite. Antoine, ça se passe comment quand les gens viennent de passer leur permis et qu'ils viennent chez Triumph? Ils ont une envie en général? Ils savent déjà ce qu'ils veulent, les gens. Donc, ils ont une idée sur une orientation classique ou roadster. Il faut savoir que maintenant, les motos sont très bien bridées. À partir de là, à la fin des deux ans, bon, il y en a qui débrident. La plupart revendent les motos et repartent sur une nouvelle Triumph. Comment ça se passe les ventes ici quand quelqu'un vient de passer son permis? Les gens se dirigent plutôt vers des motos vraiment spécifiques à deux, ou alors on vous demande des motos à brider? Alors, on a les deux questions. Déjà, on leur fait découvrir la gamme qui est déjà en A2. Déjà, ça peut commencer tout simplement avec un scooter. On a le scooter, le C400 GT, qui est d'office bridé en A2. Ensuite, on a notre gamme de roadster, de trail, bridable en A2. Et des fois, il y a certains clients qui ne connaissent pas très bien notre gamme et qui nous demandent, par exemple, est-ce qu'une RT ou une 1250 GS, on peut la brider? Et après, on les oriente. Bon, ça, c'est une question spéciale pour Christophe. Est-ce que vous vendez beaucoup de R18 en A2? Ah, alors, oui. Alors, il faut savoir que la R18, quand elle est sortie, on ne pouvait pas la brider. Et après, BMW, qui est un grand motoriste, on le sait, trouver la technique pour les brider. Moi, de mémoire, j'en ai vendu aucune. Voilà ma réponse pour Christophe. Mais voilà. Et après, effectivement, la R18, qui est un très bon produit, moi, je roule de temps en temps avec. C'est pas forcément, je pense, on n'est pas dans la meilleure région pour vendre ce véhicule. Alors pour les jeunes permis, nous avons vraiment les deux cas de figure. Nous avons des clients qui s'orientent vers les motos en 47 chevaux 5 d'origine, ou 35 kW, parce que les motos sont plus légères, parce que ce sont des bicylindres. On n'a pas ce phénomène de bridage, donc on peut utiliser l'intégralité de la puissance et du couple moteur. Et puis à l'inverse, on a des clients qui sont dans une optique de changement de véhicule ou pas, et qui se disent, au bout de deux ans, je débride ma moto, je conserve la même moto, mais je redécouvre autre chose, parce que là, je vais gagner le double de puissance. Et dans ce cas-là, ils partent sur des motos bridables, pour retrouver après deux ans, tout en conservant la même moto, d'avoir l'impression de retrouver autre chose. Anthony, toi, tu es toujours en permis A2, tu roules sur quoi? Je roule en F850 GSA BMW. Et donc là, je passe ma passerelle après en août 2023. Tu comptes faire quoi? Changer de moto? Je pense pas, je vais la débrider et puis pourquoi pas acheter une deuxième moto à côté plus tard. Bon, toi, tu viens de passer ta passerelle, tu roulais en quoi quand tu étais en permis A2? En permis A2, du coup, je roulais en KTM 790 Adventure de 2020, bridé. Et donc là, je continue avec ma moto. Mais toi, tu vas la débrider? Que je vais débrider, en effet, ouais. C'est ça. Et après, par la suite, changer de moto, on verra ça plus tard. Bon, les gars, vous en avez pensé quoi de mon petit micro-trottoir? Moi, ce que j'en pense, Mylène, c'est que déjà, tu as eu certainement plus de réussite que ce que nous aurions pu espérer avoir. Jour de grève, si voilà. Je me permets. Parce que répondre à nos questions, nous, les mecs, ils se seraient barrés. Mais figurez-vous qu'à chaque fois que j'ai fait des interviews, on m'a demandé, ils sont où, Christophe et Mehdi? Ils sont pas là. Mais ça montre qu'il y a tous les cas de figure. Il y a ceux qui veulent débrider, ceux qui veulent pas débrider. Moi, je suis très étonné. Qu'on ait des A2 qui veulent débrider, justement. Parce que nous, on pense que c'est quand même pas terrible, quoi, au moment de la revente, quoi.
Bah, c'est quand même plus simple de revendre une A2 ah oui, que de revendre une 95 chevaux bah, alors oui, qu'en oui. vrai elle en fait 115 ouais. quoi. Du coup il y a eu pas mal d'informations dans ce micro-trotte quand même. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que j'ai eu l'occasion de discuter avec Ducati. Ils ne voulaient pas apparaître en vidéo. Et eux ils me disaient que par exemple ils vendent des motos aux jeunes permis qu'à partir de 45 ans chez eux, avec la grande armée. C'est marrant. Ouais, ah oui. Ils ne vendent pas du tout aux jeunes. D'accord. Tu vois, il y a un peu de tout. Ouais, alors moi j'ai essayé de renforcer et d'enrichir ça avec les constructeurs japonais notamment parce que j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de motos A2 qui n'étaient pas débridées à l'issue des 2 ans de la période probatoire. Notamment, apparemment chez Yamaha, ça montrait pour une MT-07, on serait à 40% de motos qui ne sont pas débridées. C'est intéressant parce qu'en plus, on sait qu'il y a la moitié des MT-07 neuves qui sortent. Sont vendues en A2. C'est quoi le coût d'un débridage? C'est assez variable. On avait vu, notamment quand on avait fait le débat entre la CF Moto et la CI Mezzo, tu peux arriver à des 30-40 euros quand c'est très simple et ça peut monter jusqu'à des 250 euros pour certaines marques où ils te mettent une heure de main-d'œuvre en plus. Voilà, ça dépend quel type de bridage. Parce que là, les deux que j'ai eu en interview, eux, concrètement, ils vont débrider leur moto, ils vont pas du tout changer de modèle. C'est ça qui est incroyable. Alors qu'en discutant chez BMW, ils me disaient qu'en fait, il y en a aussi qui ramènent et qui passent à la 1250 direct. Bon, évidemment, on est tous passés par le permis A2. Bon, il y en a, ça fait un petit peu plus longtemps que d'autres, mais je vais pas balancer. J'avais envie de dire qu'on vous a fait une petite sélection pour vous dire tout simplement ce qu'on vous recommande ou ce qu'on vous recommande pas du tout quand vous venez d'avoir votre permis moto. Et je commence apparemment, c'est moi la première. Ouais. Alors moi, j'avais choisi de dire non à la Desert X. Pourquoi? Parce que j'adore cette moto, je la trouve vraiment belle, j'ai roulé avec et tout. Franchement, je la trouve trop cool. Mais je trouve que quand tu viens d'avoir le permis, elle est un peu trop imposante. C'est pas forcément évident. Au niveau du gabarit, etc., je la choisirais pas direct. Pour ceux qui voudraient un petit trail, moi, j'avais envie de dire oui à la Transalp parce que je trouve que pour le coup, le gabarit est quand même plus étroit et plus... Je sais pas si elle est plus légère que la Desert X, je dirais oui. Je pense que c'est Christophe l'expert. Mais en tout cas, elle me paraît plus facile quand je viens d'avoir le permis moto à rouler que, par exemple, une Desert X. Sinon, je dirais oui aussi à la V7 de chez Moto Guzzi parce que moi, c'était ma première moto, hein, tout simplement. Et je trouve qu'elle est vraiment facile à rouler, hyper polyvalente, mignonne. En plus, vous pouvez être assez à l'aise dessus. Donc voilà ce que je recommanderais. Toi, Mehdi? Alors moi, excusez-moi, Monsieur Suzuki, on se connaît bien. Hein, j'ai été client GSX-R par le passé. Mais je dirais non à la V-Strom 1050 A2. Pourquoi? Parce que je trouve que, OK, c'est sympa d'amener les gens sur ce segment-là. Sauf que c'est quand même une grosse machine, très impressionnante. Et quand t'es newcomer, c'est quand même pas terrible. Alors tu vois, je comprends la stat dont tu parlais tout à l'heure, Ducati, qui parlait des plus de 45 ans finalement sur le A2. Peut-être que chez Suzuki, on a à peu près le même phénomène sur le segment trail à voir. En revanche, ce que je préconise maintenant, c'est native A2. Parce que pour moi, je pense qu'on on fera jamais mieux ces gammes que sur une petite moto naturelle qui est légère, qui est aux limites de la puissance. Mais 47.5, sincèrement, ça suffit amplement pour découvrir le monde de la moto et puis apprendre sans se faire peur. Et du coup, j'ai choisi la Kawasaki Z400. Petite moto dynamique, fun. Alors pas phénoménale, certes, mais saine. Un châssis qui te met en confiance, une bécane accessible finalement, tant en hauteur de selle qu'en maîtrise, quoi. Et puis je la trouve cool, il n'y a que le look que je trouve un petit peu discutable. Du coup, je vous fais une troisième propale, c'est la Royal Enfield Super Meteor. Bon, déjà chez Royal, on sait qu'on est à deux sur toute la gamme, ça ne dépasse pas. Et là, ce qui est cool, c'est que c'est une bécane de grand pour jeune permis, j'ai envie de dire. Tu sais, c'est un cruiser à l'ancienne, vraiment dans le pur esprit cruiser des années 70-80. Voilà, les Indiens, ils ont fait un truc super sympa. J'aurais pu la mettre aussi, celle-là, tu vois, j'aime bien. Je trouve juste, tu vois, ça m'avait pas fait ça sur Interceptor et Continental GT, que le moteur est finalement un petit peu trop filtré au niveau des sensations. Il est performant, ce moteur, il est agréable, sauf que ça conne pas comme j'aime bien, moi, sur un... Peut-être que ton V-Twin sur la Guzzi, il est peut-être plus vivant. Plus de caractère. Il est plus vivant, mais voilà. Ça reste accessible, hein, c'est une bécane à 8000 balles, donc neuve, et voilà. Alexis, t'as choisi quoi, toi, alors? Alors moi, j'ai choisi un petit peu, comme Mehdi, hein, il m'a un peu ôté les mots de la bouche dans son discours. Un gros trail aussi, bon, pas un maxi trail, mais presque, la Panigale, la Multistrada V2. Ça, tu préconises? Ça, tu dis non? Non, je dis non, parce que moi, j'aime bien Ducati, je trouve qu'ils font des moteurs sympas, et en fait, acheter une Ducati, une Multistrada en A2, c'est vraiment dommage. C'est quand même une grosse moto qui va manquer de chevaux et manquer de plaisir, en fait, c'est vraiment une moto plaisir. Et voilà. Tu dirais oui à quoi? Et je dirais oui à la KTM 390 Adventure. Un peu pour la même raison que Mehdi, moi demain si je veux acheter une moto A2, je trouve qu'une native A2 c'est le top, c'est-à-dire une moto légère avec en fait le meilleur rapport poids-puissance possible.
On a 47 chevaux, on ne va pas prendre une moto qui fait 200 kg. Par contre, voilà, cette petite KTM, je pense qu'il y a largement de quoi s'amuser pour tu commencer. Je ne l'ai pas essayé. Moi, oui. Du coup, c'est pour ça que je ne suis pas forcément d'accord avec ton choix, parce que je l'ai eu pendant un road trip pendant 3 jours. Oui, elle est pas mal, mais c'est un peu. Tu es un peu à la traîne, moi, je trouve. Ça reste une A2. Ça reste une A2. Ça reste une A2. Ouais, mais... C'est bien en tout terrain, elle est légère quand on la relève. C'est bon. Voilà, bah voilà, en tout terrain. Mais du coup, j'étais sur la route, donc bref, ça valait pas trop le coup. Mais en tout cas, bah, merci beaucoup, Alexis, pour ton petit débrief. Toi, Christophe, ah, tu moi, dis je termine. Non à quoi? Ah ouais, moi j'ai choisi un deux fois non. Ah voilà. Bon, alors d'ailleurs, je te remercie, Mylène, parce que du coup, tu avais posé la question aux professionnels de chez BMW autour de la R18 A2. Ouais. Évidemment, il n'en a pas vendu, bah, ça ne m'étonne pas. Voilà, de toute façon, on était tous unanimes là-dessus. Voilà, parce que c'est la moto la plus lourde du marché. En catégorie A2, voilà, tout simplement. 350 kilos, plus, un peu plus, ouais. Ah oui. Donc c'est la moto la plus lourde du marché dans la catégorie A2 qu'on peut avoir. Et évidemment, vu les dimensions de la moto, le couple de renversement de l'énorme bicylindre, le diamètre de braquage, etc., bah, commencer avec ça, à moins d'être un colosse, hein, si on est un colosse, ouais. Qu'on a un fort pouvoir d'achat et qu'on est costaud, oui, bah, pourquoi pas. Mais franchement, c'est pas tellement conseillé. Non. Et puis, mon second choix, se porte sur la Kawasaki Z900E. Alors, la Kawasaki Z900E, elle existe en A2, hein, bien sûr. Là, à l'image, on voit notamment la Z900SE qui, elle, est une A, hein, elle n'est pas homologuée A2. Mais la Z900E, elle est homologuée A2. Et pourquoi non? Alors, en fait, c'est parce que autant la Z900E qui fait 95 chevaux, bah, elle est super. Comme la Suzuki GSX S950, pareil. Ce sont de très bonnes motos. À 95 chevaux, on s'amuse et on ne voit pas trop la différence finalement avec une moto qui fait 115 ou 120. Ça passe. Mais dans sa version 47,5 chevaux, pardon, le moteur il est justement trop bridé. Ouais. Et on a une moto qui ressort plus des virages au-delà de 6000 tours, qui est complètement. On a l'impression qu'on a mis un rouleau de sopalin dans la boîte à air. Et on se fait pas plaisir elle finalement, s'étouffe c'est totalement. Pas le but de passer donc le voilà, moto, et là quoi. On se dit non, on fait des reprises face à son. Une plage d'exploitation. Ouais, toute petite. On fait des reprises face à une CB500 ou une un Z650, et c'est la Z650 qui est meilleure. Non, bah, ouais, c'est, ça n'a pas trop de sens. Sauf qu'elle claque, elle est jolie quoi. Elle est jolie, c'est pour ça que je veux une moto jolie ou une moto qui roule bien. Alors c'est un nom, mais sauf le truc, c'est que l'avantage qu'il y a, c'est qu'au-delà des 2 ans, on débride sa Z900E. On passe de 47,5 à 95 et là, waouh, c'est la fête. Et du coup, on va faire un petit sondage très rapidement pour savoir si on est plutôt du coup team A2 native ou A2 bridée. D'ailleurs, n'hésitez pas pour ceux qui regardent la vidéo à mettre en commentaire ce que vous préférez, A2 native ou bridée. Pour le moment, parole à nos experts de la moto. Mehdi, tu dirais quoi bridé, toi? Bridée, je l'ai dit avant, bridée. Non, native. Ah bah, native. J'ai perturbé. Native. Mehdi, tu dirais quoi alors? Native. Ouais. Christophe Native aussi. Ouais, bah moi du coup, qu'est-ce que je dirais moi? Bah native aussi, mais en même temps parfois, bon, non, native, je crois. Bah, tu serais prêt à craquer pour une bécane juste pour le bah look, en fait. Oui, le CP2, le moteur bah, Yamaha, tu sais bridé, il est bien quand même. Hein, donc, la moto, pas voilà, il faut quand même défendre ça. C'est incroyable. Bon, merci en tout cas pour tout ce petit débrief, les gars. Quand on passe le permis moto, c'est aussi l'occasion de s'intéresser à un sujet dont tu nous as parlé tout à l'heure, Christophe, qui est l'assurance. Et je me suis fait pas mal de petits devis aussi sur tous les sites, lesfuret.com, les comparateurs et tout, pour vous faire un petit point un peu, pour vous puissiez en savoir plus. Combien ça coûte? Alors, ce que je vais faire, c'est quand même, je reprends un peu les chiffres, mais j'ai fait 3 profils en tout. J'ai fait un premier profil, où j'ai 27 ans, je viens de passer mon permis de moto, je n'ai pas le permis auto, j'étais donc pas assurée avant, c'est important de le signifier, j'habite à Paris, ma moto dort dehors, alors là je vous sors les pires configurations, le pire au secours la prime elle vol, est neuve, elle sera neuve, je veux acheter une Royal Enfield 350 classique, parce que je trouve que c'est quand même une bonne moto pour débuter, on l'a pas citée, mais moi je la trouve bien quand même. J'ai une très mauvaise vue. Ah, ça serait pas mal. Non. Et elle vaut 5000 euros à peu près cette moto, donc je trouve qu'on est sur un budget un peu accessible. Et j'ai ni bonus ni malus. Et bien évidemment, j'ai comparé 3 assureurs. J'ai pris AXA, MV et la Mutuelle des Motards. Concernant AXA, j'ai appelé 2 agences. Une qui m'ont dit, vous n'êtes pas chez nous, donc compliqué de vous assurer. Ça, c'est à Paris. D'accord. Vous voyez, c'est chaud. Ouais, c'est un peu compliqué parce que je me suis dit, vous abusez un peu. Par contre, j'ai appelé AXA à Rouen. Et eux, ils m'ont dit que c'était pour un budget de 1425 euros. Waouh.
Ouais, bah t'es pas prêt pour le reste, parce que du côté d'AMV, on est à 2053 euros. Et du côté de la mutuelle des motards, 1699 euros. Donc là, on est dans l'entre-deux. Donc là, c'est pour la config que je viens de vous citer. Incroyable. Pour une moto, en termes de performance, il faut rappeler que la 350 classique... Et 5000 euros. Donc tu mets 2000 euros d'assurance, alors que t'as acheté ta moto à 5000. Pour vous, j'ai aussi fait un deuxième profil, donc toujours le même âge. Je viens toujours de passer le permis moto, mais j'ai le permis auto depuis 5 ans. Donc là, ça diffère. J'habite encore à Paris, ma moto dort encore dehors. Bref, elle est neuve, toujours la même moto. J'ai pas de bonus ni malus. Et là, les prix varient un petit peu. Chez AXA, on est à 1190 euros. Mmh. C'est toujours encore un peu cher. AMV, 1706 euros. Et la mutuelle des motas, 1168 euros. Bon. Ça va mieux. Ouais, ça va mieux. Mutuelle, mais ça veut dire que tu es obligé d'avoir le permis auto quand même. Ouais. Donc si tu es un motard et que tu n'as pas du tout envie de passer ton permis auto. Et puis évidemment, j'ai fait un troisième profil où j'ai 50 ans. Ah oui. J'ai 50 ans, je viens de passer mon permis, j'ai le permis auto depuis 30 ans, bon voilà, mais là je me suis fait un kiff à 50 ans de passer le permis moto. J'habite toujours à Paris, je veux toujours acheter une Royal Enfield. Ok, tu changes juste le critère de l'âge quoi. Bien sûr, d'accord. Bah oui, mais parce que je me suis dit que peut-être ça pouvait changer, parce que en fait quand tu fais les comparos, parfois t'as même, alors évidemment j'ai vérifié, tu sélectionnes homme ou femme, il n'y a pas de différence. Ah oui, ça change. Et bah sur les trois que j'ai fait, là il n'y avait pas de différence de prix. Ah ouais, d'accord. Pour être fait honnête, je m'attendais à ce qu'il y en ait une, oui. Mais là il n'y en avait pas. Du côté de la mutuelle des motards, dans cette configuration, 1168 euros et puis AMV 1700. Ah ouais. Voilà. D'accord. Donc c'est on est quand même sur des prix assez élevé, costauds. Ouais, ça reste élevé. C'est là qu'on se rend compte quand même qu'une assurance, c'est cher. Après, ce sont sur des motos neuves. Sachez qu'en occasion, c'est quand même moins cher. Comment vous pouvez payer moins cher votre assurance ? Bien, c'est simple. Il y a plusieurs solutions. Il faut acheter une moto évidemment moins puissante parce que ça rassure les compagnies d'assurance, ou des motos qui ne sont pas trop volées. Je pense notamment aux scooters aussi, au T-Max. On me disait chez AXA que c'est super cher parce qu'ils sont hyper volés. Oui, MT-07, ouais. Pareil apparemment. Et il y a des assurances qui refusent d'assurer certaines motos aussi. Oui, exactement. Bah oui, y a des... Ou alors ils donnent une prime dissuasive. En fait, c'est-à-dire voilà, exactement. Le prix est tellement élevé qu'ils savent qu'ils ne vont pas... Évidemment. Sinon, l'autre solution, c'est d'acheter une moto d'occasion parce que le prix sera moins cher. Donc, au niveau de l'indemnisation de la moto, ce sera moins compliqué pour l'assurance s'il y a un accident. Mm-hmm. Donc, souvent, ils sont un peu plus, envie de vous assurer. Ils vont vous faire des prix un peu plus corrects. Et puis, sinon, après, on peut prendre une formule haussière. Mais moi, je ne suis pas trop pour. Ouais, ouais. Tout ce que je vous ai proposé ici, c'est tout risque. Et je pense que c'est quand même plus intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est mon casque, je mettrais haussière. Parce que je sais que dans les deux ans, c'est ce qu'ils disent aussi. Il va y avoir de la Corse. Moi, je pense, Mylène, déjà que par rapport à tes deux vie pour 50 ans, t'es super bien conservé. C'est la moto, ça conserve. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi l'appellation, parce que par exemple, si vous voulez acheter une Ninja 650, elle s'appelle Ninja. Donc là, vous poussez la porte d'un assureur, Ninja, c'est banco. Par contre, si vous restez chez Kawasaki avec son partenaire assurance, qui doit être AMV de souvenir, eh bien forcément, ça s'est pris en compte. Ils savent que c'est comme une Z650 finalement, et donc ils vous surtaxent pas. On parlait justement de brider sa moto. Comment ça se passe quand on a envie de passer la passerelle à deux? Ça coûte combien? C'est combien de temps? Intéressant, j'en ai aucune idée. Ah, moi je sais. Pas passé le truc. Moi je sais, j'ai passé la passerelle il y a pas longtemps. On est dans les 200 balles, non? Ouais, à peu près. Ouais, c'est ça. À peu près, c'est une journée en fait où tu vas rouler. C'est 7 heures. Théorique, c'est 7 heures. Voilà. Ouais, non, c'est la question que j'aurais posée, c'est pourquoi il y a tant de gens qui mettent autant de temps à passer la passerelle? Je parle en particulier à notre équipe technique. Pourquoi c'est aussi long en fin de compte? Faut trouver une fois temps. Une fois que t'as le est-ce que tu te contentes finalement de ta 47.5 qui est vraiment sympa et finalement tu veux pas voir plus loin? Mais du coup, c'est vrai que c'est... Parce que c'est pas très contraignant, finalement. Ça te prend qu'une journée. Parce que finalement, je pense aussi, il y a des gens qui s'habituent à la moto qu'ils ont avec le permis à deux. Ils se disent que ça leur convient. Donc du coup, ils restent là-dedans. Moi, personnellement, j'ai même essayé de passer la passerelle avant, au plus tôt possible. Donc si tu veux, je fais pas partie de ces gens. Mais à mon avis, c'est juste une utilisation qui est différente de la nôtre, finalement. Ouais, c'est ça. Et peut-être qu'ils se disent, dès que je passe la passerelle, je change de bécane. Donc c'est peut-être tout un truc à organiser. Donc tu peux rester en A2 toute ta vie, si tu veux. Après, c'est vrai que ça peut aussi être une question de moyens. C'est-à-dire que si tu n'as pas envie de racheter une nouvelle moto, tu vois, c'est un budget, il faut les mettre dans la passerelle. Même les 200 balles. Ça, quoi. Ouais. Parce que tu peux avoir un équipement pas cher. C'est pas... un équipement pas cher à 100 euros, mais c'est sûr que c'est peut-être plus le coup. Bon, maintenant, je vous propose qu'on passe à la prépa du mois. Et je pense qu'elle va te plaire, Christophe. Elle est aux couleurs de Motostation. Bon, je dois vous dire que quand j'ai dit motostation ici, ils étaient hyper contents. J'avoue, j'ai brossé dans le bon sens du poil, Christophe. Bah oui, en plus, et elle porte le numéro 34, un de mes pilotes préférés, Kevin Schwantz. Ah, elle est pour toi cette moto, laisse tomber. On a beaucoup de chance d'avoir pour la prépa du mois deux motos en plateau. C'est rare et qu'est-ce qu'elles sont belles. Ce sont deux motos de l'Ippon Continental Cup, qui est un championnat de motos qui vient d'être lancé ou qui a été lancé l'année dernière. L'année dernière. On en est à la deuxième édition cette année. Ouais.
Ok, on en est à la deuxième édition. Elle va bientôt commencer, j'ai vu d'ici fin avril. Oui, madame. Ok. Vous en pensez quoi de ces motos ? Moi, franchement, j'ai trouvé incroyable. Bah, elles sont très belles. C'est sous l'initiative, donc, comme a dit Alexis, du disparu Frédéric Fourgeot. Hein. Ouais. Et ça apporte une note sportive, une dimension sportive à la marque Royal Enfield, une dimension au circuit que les Indiens ne pratiquent pas. Et c'est clairement pas une moto, à laquelle on aurait pensé pour faire du circuit. Ah bah non, c'est non, ça toute l'originalité de cette Elles sont à deux. Quand vous la voyez, là, elles sont préparées, elles sont très jolies. Hein, on a envie d'aller sur circuit avec. Quand vous la voyez en concession, vous vous dites pas. Non, c'est vrai. Et surtout, il a raison. Elle est à deux. Ça veut dire que tu peux faire de la compétition quand tu viens de passer ton permis moto. Oui, parce qu'il touche pas au moteur. Hein. Tout le reste du kit, tu vas nous en parler, Alexis. Le moteur reste stock. 7 990 € en concession, cette Royal Enfield. Et on rajoute un kit à 2 390 €, qui revient 30% moins cher si on fait justement l'Ipone Continental Cup. Dans ce kit, il y a quoi ? Bah, des suspensions, c'est quand même important pour faire de la piste. Donc, un kit suspension YSS avec jeu d'amortisseur et ressort de fourche. Un sabot moteur, une coque arrière unique. Elles sont très jolies, ces coques arrière, avec une selle monoplace. Je me lève pendant que tu parles parce que je vais aller la voir de plus près. Pas question de faire du duo en compétition. L'ensemble tête de fourche avec support, les guidons bracelets, c'est bien joli, sûr. C'est joli. Protection de carter, elles sont très jolies, ces protections de carter. Les protections de levier de frein, le jeu de silencieux homologué, la mousse de réservoir et le kit collecteur. Wow. Et il n'y a pas des pneus aussi ? Alors les pneus, c'est en plus du kit. On a des Continental Conti Road Attack 3 CR qui sont vraiment des très bons pneus entre guillemets néo-rétro compétition. Bien sûr. Continental qui sponsorise la Cup, comment il pourrait en être autrement, Continental. Et attends, moi j'ai deux questions du coup. C'est un peu accessible à tous les niveaux quand même ? C'est totalement accessible à tous les niveaux. Oui, d'ailleurs, purement, il y aura deux catégories d'âge. Okay. Il y a les jeunes entre guillemets et les plus de 45 ans. Voilà, si on est un petit peu un gentleman driver, on va dire à 50 ans, qu'on a envie de s'essayer à la piste avec sa petite Continental, sa petite Royal Enfield, et ben on peut. Le niveau est hétérogène, mais tout le monde est là pour se faire plaisir. Il y a une très bonne ambiance sur les paddocks. En fait, c'est comme Fred l'a voulu, c'est vraiment l'esprit de camaraderie, la compétition entre potes. Ah, oui. Ils organisent quelques apéros cool, également avec Ipone. C'est vraiment bon enfant. Et d'ailleurs, Bertrand Gold, notre essayeur bien de Moto Revue, a participé l'année dernière à Alès et il s'est vraiment fait plaisir. Il a fait podium. Il a fait podium, évidemment. Et ben on verra le 21 avril combien. J'espère que Alexis nous fera un petit débrief pour nous dire combien de pilotes on aura. Si vous voulez vous inscrire, ça se passe dans le réseau Royal Enfield. Moi, j'en profite juste pour faire un petit remerciement à la concession du 95 Hors Moteur qui nous a prêté ces deux machines, la Continental et puis celle-ci, c'est la leur, la numéro 70, la Segura. Voilà, et comme vous le voyez, les pneus ont en effet bien fonctionné l'année dernière, il y a quand même de la bouloche. Si je me suis penché sous la moto tout à l'heure, sous les motos, en fait les collecteurs ils ont été aussi un peu usinés, donc ils ont un peu frotté dans les virages. Ça roule, ça roule, ça roule. On aime bien voir les motos. Ouais, c'est cool. Merci beaucoup à Media Hors Motors de nous avoir amené deux très belles prépas sur notre plateau, c'est assez rare, donc franchement trop cool de leur part. Moi j'ai envie d'aller voir de plus près quand même ces motos, on les regarde depuis tout à l'heure, on débrief, mais venez, on les voit et puis on termine l'émission à côté de ça quand même. Ça fait plaisir. On est assis sur des bureaux, rapprochons-nous des motos. Rapprochons-nous, j'ai envie de vous dire. C'est ça, t'as raison. Asseyons-nous, testons vraiment. Trop cool. En vrai, moi, j'ai jamais été à l'aise sur un circuit, mais je crois que je kifferais trop un jour essayer. Ah, faut essayer, ça c'est une moto adaptée. Faut que les gars me coachent, surtout Mehdi, je crois. C'est la prochaine étape. Ouais, venez me coacher. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Nous, comme d'habitude, on kiffe faire ce genre de petits débriefs et d'émissions avec vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis, à bientôt, les gars. Hein, à bientôt, à très vite. Ouais, à bientôt, bien sûr. Et suivez les fils d'actu, Motoservice, Motostation. Et moi, je pars avec ça.